Bombe dans l'eau! Oups, j'ai perdu mes cheveux. Ça, c'est Nancy. Et ses parents la laissent seule pendant les vacances d'été. Sois gentille. Et j'espère qu'on te manquera pas trop. On revient bientôt. Et voici Laura, leur voisine. Les parents de Nancy lui ont demandé de s'occuper de la maison et de Nancy pendant leur absence. D'accord, défi accepté. C'est un deal. J'ai déjà mangé, joué à des jeux vidéo, liké tous les posts sur Insta, je me suis battue moi-même aux échecs. Oh, je fais quoi maintenant? Je devrais appeler mes potes. Ils sont là? Dave et Ashley. On va s'amuser. D'abord, on va te faire de nouveaux tatous. Maintenant, on est un vrai gang. Un tournoi de PlayStation entre potes. Qui joue comme ça, Dave? Donne-moi ça! C'est comme ça qu'il faut appuyer sur les boutons. C'est l'heure des selfies! C'est les meilleures vacances de tous les temps! Et si on faisait quelques activités intellectuelles? Pourquoi personne nous a dit que jouer aux échecs avec quelqu'un d'autre, c'est bien plus dur que de jouer tout seul? Échec et mat toi-même! Je m'ennuie tout seul! Coincé à la maison en vacances! J'aimerais que mes potes soient là, parce que là, ça craint! Coincé à la maison, tout seul! Coincé à la maison, tout seul! Et maintenant, on devrait mettre du papier toilette sur le buisson de la voisine? C'est une façon classique de s'amuser. Vise et feu! Cool! Ces décos de jardin sont trop cool! Oh, mes voisins, c'en est trop! Gare à toi, Nancy! On va se raconter des histoires qui font peur ce soir. Oh non! Quelqu'un arrive! Vous avez entendu des pas? C'est elle! La voisine folle! Elle essaie de défoncer la porte. L'autre porte, Dave! On va défendre notre territoire. Je vais installer un piège glissant. Les enfants. Laura se transforme en un tourbillon. Lâchez de guitare. Où vous vous cachez, les voisins? Urk, il y a plein de mouches ici. Hé, hey, sale insecte. Va-t'en. Oh non, c'est un fantôme. Qui on va appeler? Les Ghostbusters. Meurs, espèce de sale fantôme! Retourne dans l'au-delà! Hé, les gars, pourquoi vous m'aspirez? Je vous apportais juste à manger! Oups! On va débuter notre course dans l'eau. Qui arrivera en premier à la ligne d'arrivée en nageant avec sa bouée? Allez, licorne, me laisse pas tomber! Ma bouée est cassée! Elle flotte dans l'autre sens! Ah! Voilà la ligne d'arrivée. Oh non, ça va mal finir. Stop.
combat de pistolet à eau. Sauvez-vous tant que vous le pouvez. Je me suis mis à couvert. Je retourne à la base. J'ai été touchée par l'eau. Pourquoi moi? Et me voilà. Oups, désolée Laura. Ces enfants sont les pires. C'est quoi ça? Une pluie de plumes? Berk, y en a partout. Bien que ça me va les plumes. La bataille finale, c'est une bataille de polochons. Prends ça, Ashley! Mais Laura prend un coup par mégarde. Pourquoi vous vous comportez comme ça? On dirait que vous êtes battu avec un poulailler et que vous avez perdu. Oh, Nancy, tes parents appellent! Allô? Tout se passe à merveille. C'est quoi dans ton cou? Une noix empaillée? Mais non, c'est à la mode de nos jours. Ok, salut! Ramassez ces plumes immédiatement, les poussins. Pierre, feuille, ciseaux. À ton tour, Ashley. On va se cacher. On se font tellement bien dans la nature. 1, 2, 3, 4, 5. Prêt ou pas, j'arrive. Vous êtes cachés où, les amis? Ouh, je te vois. J'ai l'œil sur la cible. Bouh! Je t'ai trouvé, Nancy. T'as perdu, Nancy. Maintenant, tu dois faire ce qu'on te dit. Va verser de l'eau partout sur la voisine, ok? Bonne chance! Laura venait à peine d'atteindre le Nirvana après avoir mangé son bon-déj. Surprise! Je peux dire adieu à mon zen! Ma revanche sera un plat qui se mange mouillé, Nancy! On va s'envelopper dans des couvertures et faire une course de verre! Wouhou! Jake Lastico est en tête! Hé les gars, comment on sort de ces couvertures? À l'aide! On s'ennuie toujours. Dave, l'ennui se trouve par là. Mais Ashley a pensé à quelque chose. En un mot, catapulte! Essaye d'utiliser le maillot de bain de Nancy comme catapulte. Ça a pas marché! Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. On va mettre ça là-dedans. On essaye. Non, ça marche toujours pas. Attends. La solution est suspendue dans le jardin de la voisine. L'énorme maillot de bain de Laura. Ça ferait la catapulte parfaite. 1, 2, 3, feu! C'est pas si marrant. On va envoyer Dave. J'ai toujours voulu voler. Regarde, je m'envole. Oups, salut Laura. Désolée. La vengeance de la voisine nous attend. Quelles super vacances! Oh ouais, les voisins! Bon retour, je démissionne! Il se passe quoi ici? Une soirée de folie? Oups, mes parents sont de retour! C'était rapide! Tu restes pour nettoyer tout ça, Nancy! Fini les soirées!
T'as aimé ces moments pendant les vacances? Dis-nous dans tes commentaires si t'as des voisins étranges. Et comment tu passerais tes vacances tout seul à la maison? Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos hilarantes de Troom Troom.